Nous avons ici une prescription pour Monsieur X, chambre 300, de KCL 700 mg en injection intraveineuse lente. KCL étant du chlorure de potassium, et l'injection intraveineuse devant se réaliser par le biais d'un mini-flacon sur une durée de 15 minutes ou plus en fonction de la prescription médicale ou encore des préconisations du Vidal. On dispose pour mettre en œuvre cette prescription d'ampoules de KCL ou de chlorure de potassium de 10 millilitres, dosé à 10%. Ce qui va m'intéresser particulièrement dans cette présentation, ce n'est pas tant le volume, mais plutôt la concentration du produit. 10%, c'est la concentration du produit et c'est aussi mon point de départ pour réaliser mon calcul. À savoir que 10% est interprété de la manière suivante. Ça voudrait dire qu'il y a 10 grammes de KCL, en l'occurrence, dans 100 millilitres de solution. 10%, 10 grammes pour 100 millilitres de solution. Et c'est de là que je vais partir pour aller chercher les 700 mg que je recherche pour respecter ma prescription. 700 mg, combien de millilitres? Effectivement, pour produire nos calculs, nos produits en croix, il va falloir que mes unités soient identiques, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc soit je convertis 10 grammes en milligrammes, ça va me faire 10 000 mg, ou alors je convertis 700 mg en grammes, 0,7 grammes. Si on part sur cette option, qu'on a bien 10 grammes pour 100 millilitres, notre concentration de départ, 10%, et 0,7 grammes étant la conversion de 700 mg, et qui est-ce que je recherche pour respecter ma prescription? 0,7 fois 100 sur 10 est 7 fois possible, puisque j'ai les mêmes unités de part et d'autre. 0,7 fois 100 sur 10. Je simplifie ma fraction en supprimant les dizaines, ce qui nous fait 7 sur 1. En d'autres termes, 7 millilitres de solution à prélever dans l'ampoule.